Salut, bienvenue sur apprendre-la-batterie.com. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau cours de technique de caisse claire, et certainement le dernier d'ailleurs. Avant d'y revenir, mais via une autre méthode, c'est-à-dire, je pense que je vais faire une formation dans les prochains jours qu'avec des systèmes de caisse claire un peu inédits, entre guillemets, comme on l'a eu fait avec Fabrice sur les deux premiers cours, les cours précédents. Et sur le cours que je vais vous faire aujourd'hui. Donc là, ici, on est dans le nouveau local, peut-être tant que j'y suis. C'est le nouveau local que j'ai et qu'il faut que j'aménage. En fait, il faut que je fasse des travaux, ça résonne un peu. Je peux vous le faire visiter, j'ai tout prévu pour. Donc voilà, ça c'est vous. Voilà. D'un côté, on a une drums, ok, voilà, c'est un local. Bon, on peut voir que les murs sont pas forcément voilà, nickel. Voilà, on a du rangement là. Là, c'est un peu bordel d'ailleurs, mais on a du rangement ici. Ce qui est pas mal. Voilà. Bon, je vais éteindre ça d'ailleurs. Ok, donc, quoi dire de plus? S'il y a des gens qui m'ont écrit par rapport à des questions à qui j'ai répondu, voilà, toujours les éternels là, qui oublient leur mot de passe de l'espace membre là. Sur le site à qui je réponds, essayez de noter votre mot de passe parce que je pense que c'est pratique. Voilà. Surtout pour moi. Voilà. Après, j'ai eu des questions plus précises par rapport à des méthodes, des conseils. J'ai essayé de répondre à tout le monde à chaque fois. Ça me prend des fois un peu de temps, j'ai un peu de délai, mais voilà. On rentre dans le vif du sujet avec le système du jour. Le système du jour, toujours sur la page solfège rythmique 3. Je risque d'avoir le regard un peu décalé parce que ma page, elle est là. Donc on garde toujours cette page pour ceux qui ont des difficultés à lire parce qu'elle a déjà été déchiffrée plusieurs fois. Donc comme ça, vous n'avez pas à revenir sur le déchiffrage, vous avez juste à appliquer le système. Le système du jour est basé sur le moulin. Moulin numéro 1, pour ceux qui ont nommé les moulins. D'accord? Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Moulin, donc alternance de deux coups frisés, deux coups roulés. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Deux coups frisés, deux coups roulés, deux coups frisés, deux coups roulés. Et on revient au doigté de départ. D'accord? Donc il y a des systèmes moulins. Les plus standards qu'on connaît, souvent tous ceux que j'avais travaillé, moi notamment via les méthodes Agostini, voilà, qui étaient basés sur quand on appliquait le système à de la lecture de page en croche, toutes les notes qui sont sur le temps tombent sur le temps, d'accord? Donc dans le moulin, premier temps et troisième temps à droite, deuxième et quatrième temps à gauche. 1, 2, 3, 4. Droite, gauche, droite, gauche. Ok? Et quand on arrivait sur les demi-soupirs croches, ce qui se passait, c'est qu'on prenait le doigté du moulin numéro 2, le moulin numéro 2, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, et on accentuait la quatrième double. Ce qui faisait par exemple pour la mesure numéro 2 de la page solfège rythmique, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche. 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Là, le système qu'on va appliquer aujourd'hui est beaucoup plus simple que ça, dans le sens où on ne gardera que le doigté du moulin numéro 1. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, ad lib sur toute la page. Tout ce qui va être sur le temps, on va tomber sur le temps comme pour le système que je vous expliquais avant, et tout ce qui va être noté demi-soupir croche va tomber sur la deuxième double croche. Alors la deuxième double croche, c'est toujours c'est souvent cette double croche qu'on a du mal à mettre, qu'on presse un peu ou qu'on retarde un peu, on n'est pas vraiment à l'aise, et donc ce système moulin va vraiment nous entraîner. Alors on pourrait l'appliquer sur du frisé, bien entendu, dès le départ. Mais il va nous entraîner à la placer aussi bien avec la main droite qu'avec la main gauche, et pas uniquement qu'avec la main gauche si on était en frisé. Et surtout là, on le travaille sur la caisse et dans un avenir proche, ça sera de le travailler sur le kit, sur la batterie. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut très bien orchestrer ses accents sur les tomes ou sur des cymbales avec des grosses caisses. Donc la caisse claire, c'est la première approche, pardon, et la suite, c'est le développement sur le kit.
Alors, comme pour les systèmes d'avant, on va mettre, par exemple, là je mets un clic parce que je suis tout seul, qu'on est peinard. Donc on a un premier moulin. On essaye d'être dedans. Première mesure. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On revient au débit. Deuxième mesure où on n'a que des deuxièmes doubles, donc accentué. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Je garde toujours ma pulsation dans les jambes. D'accord? C'est-à-dire que mes pieds sont avec mon clic. Je reprends la deuxième mesure. 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors la pulsation, vous pouvez l'avoir soit avec, moi j'alterne la droite et gauche, jambe droite et jambe gauche, d'ailleurs qui est en coordonnée avec ma main droite et ma main gauche, droite, gauche, mais j'aurais pu garder tout au pied gauche comme si j'étais derrière la batterie et en tenant le tempo au charlet. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Donc là, ça va être le début, c'est-à-dire arriver. C'est peut-être un peu vite 70, redescendez-le. Là, je suis à 70 maintenant. Si c'est trop vite, redescendez le tempo. Ça, c'est le départ. Au départ, on essaie de coordonner, de regarder toutes les notes sur le temps donnent et tout ce que les notes sur les deuxièmes doubles donnent. Donc, avec ce doigté, premier et troisième temps, quand on est sur le temps, on est à droite, d'accord? Et quand on est sur 2 et 4, qu'est-ce que j'ai dit? Premier temps, troisième temps. Quand on est en moulin, les accents seront sur la droite, quand on est sur le temps, et quand on est sur le temps, deuxième et quatrième temps, sur la gauche. Quand on va passer sur les deuxièmes doubles, eh bien forcément c'est l'inverse, vu que c'est les doigts frisés, d'accord? On est 1, donc droite, gauche, ça donnerait 3 et 4 et gauche, droite, gauche, droite, gauche. Okay. En gros, ce qu'il faut sentir, c'est ça. Pas perdre la pulsation et sentir le décalage. Au départ, on va faire comme pour les systèmes précédents, on va travailler avec la voix. On va tenir le moulin sans accentuer. Et on va chanter les accents. Pa, 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 etc. La même chose avec un clic. Alors, on va prendre le débit. 1, 2, 3, 4. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ok? On s'entraîne à descendre la page. Et puis après, on met en relation la voix et les poignets et les accents. Même chose, je vais démarrer donc à la mesure 13. 1, 2, 3 et 4 et pa, pa. Pa, 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 pa
ok. Et une fois que vous avez ça, vous oubliez la voix et vous passez directement aux accents sans chanter. On va attaquer mesure 29. 1, 2, 3 et 4 et papa. Ok, une fois que vous avez ça, vous allez vouloir monter des vitesses. Mais avant de monter des vitesses, on va refaire quelque chose, on va reprendre, on reprendra donc à mesure 37. Même pas, on va faire quand même 4 lignes, on va reprendre mesure 29, donc la fin de la page. Et on va alterner une ligne où les accents sont fortés et une ligne où on reste plus piano. D'accord, pour essayer de maîtriser le contrôle. Moi par exemple, je me rends compte qu'en faisant cette vitesse là, j'ai du mal à faire le doublé à gauche parce que je suis toujours en train de travailler avec les doigts en fait. Et c'est vrai que à cette vitesse là, on va plutôt donner tous les coups avec les poignets, chose que je fais jamais. D'accord. Et voilà, là par exemple, ce sont des choses qu'il faut corriger au fur et à mesure. Donc là, je reprends à mesure 29, même vitesse, et j'alterne une ligne forte, une ligne piano. 1, 2, 3 et 4 et. Ok, une fois que vous avez en fait le système dans les poignets, mais il ne reste plus qu'à travailler en fait sur la longueur et à monter les vitesses. Donc je vais reprendre par exemple les deux premières lignes et je vais garder encore en montant les vitesses. Donc là j'étais à 70, je vais monter à, admettons, à 90 et je vais garder le fait de faire une ligne forte et une ligne piano pour essayer de pouvoir contrôler toutes les dynamiques. Et on continue, 90, admettons que je pousse à 110, je vais attaquer, là j'ai fait les 4 premières lignes, je vais attaquer à 17, 1, 2, 3, 4. Ok, cet exercice est à travailler et donc vous devez développer les tempos. Essayez de redescendre les nuances comme ça en montant les vitesses. Je ne sais pas jusqu'où exactement je peux aller. Je pense que je dois pouvoir avoisiner les 160.
Par contre, je sais pas si je garde la nuance à 160. Donc, ben tiens, on va essayer de suite. Donc, 160, c'est quand même une vitesse soutenue en moulin. Faut déjà avoir un bon détail, hein. J'attends par un bon détail. Essayez de ne pas avoir des doubles coups qui soient à l'arrache. Ok, je vais reprendre au début, essayer d'enchaîner une ligne comme ça en faisant une ligne sur deux nuancée. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et donc automatiquement quand je monte en vitesse je perds un peu en qualité de précision, de tempo et tout ça. Je me rends compte qu'en fait je perds en qualité à 70, je perds en qualité lentement et très rapidement. Je pense que ce système est un bon système pour travailler ses appuis sur les deuxièmes double croches, pour commencer à les sentir. Voilà, il n'est pas forcément commun. Il y a plein de déclinaisons de ce système qu'on verra, je vais faire ça beaucoup plus tard et ben, je vous invite vraiment à essayer de le regarder. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà travaillé ce système là si vous connaissiez en gros, est-ce qu'il peut vous paraître utile ou pas. Dites-moi si vous le travaillez, quels en ont été les résultats à l'avenir. Voilà, je tiens à remercier aussi tous les gens qui typent sur Tipeee pour soutenir la chaîne, parce qu'effectivement c'est du temps et de l'investissement. Pas trop de retour financier au niveau du site, parce que de toute façon je fais rien pour en avoir non plus, c'est-à-dire je vends rien, je propose rien, il y a juste une formation qui est pour les débutants. Donc il est clair qu'à l'avenir, là je sais que je vais avoir du temps au mois de janvier pour enregistrer une nouvelle formation qui sera une formation de caisse claire, uniquement basé sur des systèmes comme ça. Voilà, et qu'on mélangera au sein de notre jeu. Voilà. J'espère que ce cours vous a plu. Je vous dis à plus tard sur apprendrelabatterie.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous inscrire sur le site, parce qu'automatiquement les cours de relevés, tous les relevés qui sont sur le site ne sont pas sur la chaîne YouTube. Voilà, généralement les relevés je les mets en ligne et que les gens qui sont abonnés à l'espace membre reçoivent les mails pour dire qu'il y a un nouveau relevé qui a été mis sur le site. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur le site. Voilà, je vous dis à plus tard sur apprendrelabatterie.com. Je vous dis à plus tard sur apprendrelabatterie.com. Bye!